Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comment améliorer sa capacité de concentration et d'attention? Alors, bien entendu, pour apprendre, la faculté de concentration est fondamentale, donc rien de nouveau. Avec une difficulté à rester attentionné, il est bien difficile d'apprendre quoi que ce soit. Alors, peut-être que vous vous dites, finalement, j'ai une concentration assez faible, j'ai une capacité d'attention assez réduite. En fait, cela ne veut pas dire grand-chose. Peut-être que votre faculté de concentration ou celle de vos élèves si vous êtes professeur est tout à fait normale et que vous vous situez au-dessus même de la moyenne. Car en fait, vous ne savez pas où vous vous situez. Êtes-vous au-dessus de la capacité moyenne de concentration? En fait, vous n'en savez rien. Connaissez-vous la capacité de concentration moyenne d'un être humain? J'imagine que non. Alors, souvent, il n'y a pas de problème de concentration du tout, mais un problème de méthode. La pure capacité de concentration est souvent un faux problème. Combien de temps en moyenne peut-on rester concentré et attentionné? Que dit la science? Comment accroître les facultés de concentration et d'attention? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Un petit break pour vous notifier que vous avez un guide gratuit à télécharger en description sur la difficulté de l'apprentissage, sur la difficulté pour apprendre. Quelles sont les solutions et quels outils pédagogiques utiliser? Savez-vous qu'une capacité de concentration soutenue ne dépasse pas 20 minutes au maximum? Alors, il n'y a pas réellement d'études sérieuses menées sur ce chiffre de 20 minutes. Donc, on ne peut pas indiquer un temps exact. D'ailleurs, cela n'a pas de sens. Car le profil d'une population représentative peut énormément varier en termes d'âge, type d'activité. Par exemple, un sportif de très haut niveau, en sport automobile par exemple, aura une capacité de concentration bien plus élevée qu'un employé sur son bureau ou qu'un enseignant par exemple. Mais il y a un consensus chez les scientifiques basé essentiellement sur des observations. Et c'est comme cela que l'on arrive au chiffre de 20 minutes environ. Et même la concentration et l'attention déclinerait même à partir de 10-15 minutes. Ah, vous vous demandez pourquoi je regarde à chaque fois le chronomètre. Ouais. Et réfléchissez. Comment je sais que je peux atteindre 3 minutes si je peux pas regarder avant? Voilà, c'est pour ça. Pour que je sache que j'atteins les 3 minutes, il faut que je regarde avant. Mais je suis toujours avant les 3 minutes. Il y en a là-dedans, hein. Vous connaissez probablement les célèbres conférences TED dispensées un peu partout dans le monde. Eh bien, les premières pouvaient durer jusqu'à 30 minutes, voire même plus. Et depuis la connaissance des 20 minutes, le format de conférence a été réduit à 18 minutes maximum. Pourquoi? Car d'après les conférences TED, 18 minutes, l'attention du public décline fortement. D'ailleurs, une grosse société britannique, la Skipton Building Society, a réalisé une enquête à partir d'un échantillon représentatif de personnes. Et cette enquête indique que la concentration et l'attention des Britanniques ne dépassent pas en moyenne, tenez-vous bien, les 14 minutes. Oui, 14 minutes. Et celle-ci est de 10 minutes en moyenne au volant. Ensuite, le cerveau du conducteur se met en pilote automatique. Alors, cette même enquête a révélé que la capacité d'attention est plus longue dans les situations impliquant des amis ou lorsqu'il y a un côté humoristique. Il peut s'écouler jusqu'à même 29 minutes avant que les gens prennent le téléphone et perdent leur attention. Une petite précision quand même, c'est que cette enquête n'indique pas le protocole d'exécution ni même l'échantillon précis. Donc, cette enquête ne peut pas être tenue pour une étude scientifique rigoureuse, même s'il a été diffusé par les grands médias britanniques. Top top les Anglais. Hein. Et les sociétés de construction, ils font des sondages, les fondations, et sondages, l'enquête. Ouais le truc, ils font les deux. C'est marrant, hein? Non, vous voyez pas. Non. C'est pas si marrant alors. Mais en tout cas, ce travail d'observation reste très intéressant. Et donc, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer chez les élèves en classe. Combien de temps ils peuvent rester concentrés? Bien entendu, vous serez d'accord avec moi que c'est une illusion de croire qu'ils pourraient rester concentrés une heure ou deux heures durant un cours. Donc, bien entendu, il y a des solutions, mais que je développerai dans une deuxième partie, donc dans une autre vidéo. D'attention ou de concentration est à son maximum à 20 ans et décline avec l'âge. Alors pourquoi? Tout simplement car avec l'âge, on a moins de capacité d'oublier. D'ailleurs, à ce propos, je vous renvoie
à la vidéo sur l'oubli. Et oui, aussi curieux que cela puisse paraître, c'est ce que l'ont montré deux neuroscientifiques, Adam Gazley et Larry Rosen, qui ont fait de nombreuses expériences sur le cerveau, et ils concluent de la façon suivante. Notre principale conclusion est que, fait intéressant, les personnes plus âgées se concentrent sur les informations pertinentes ainsi que les jeunes de 20 ans. Là où les personnes âgées ont souffert d'un déficit, c'était en supprimant les informations non pertinentes. Nous avons donc découvert que leur principal problème d'attention était qu'elles étaient plus distraites que les jeunes. Période où la concentration reste efficace varie en fonction de la complexité de la tâche, mais aussi de l'état de fatigue. Et il a été démontré que la vigilance et l'état de fatigue fluctuent selon les périodes de la journée. Par exemple, en matinée, on serait plus efficace à partir de 9h jusqu'à 11h30 environ. Et l'étude de ces cycles journaliers et leur adaptation ont donné naissance à une nouvelle discipline qui s'appelle la chronopsychologie. Le moment le moins propice aux efforts intellectuels et de concentration se trouve après les repas. Pourquoi ? Car la digestion réclame énormément d'énergie. Plus le repas du midi est lourd, plus l'énergie consommée par la digestion sera importante. D'où le fameux coup de barre qui se manifeste peu de temps après avoir mangé. Et là, bien évidemment, c'est à ce moment que les facultés de concentration et d'attention sont les plus faibles. Donc je vous laisse imaginer votre faculté de concentration après avoir mangé un bon fast-food ou une bonne grosse pizza. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de faire des micro-siestes, c'est-à-dire des siestes qui ne durent pas plus de 20 minutes. Et durant ce temps de repos, le cerveau se déconnecte complètement et l'énergie peut être concentrée sur la seule digestion. Le soir, l'esprit a besoin de calme pour digérer la journée. Et pour bien récupérer et ne pas se sentir fatigué, donc il vaut mieux alterner des sorties un soir sur deux et encore mieux, les programmer la deuxième moitié de la semaine à l'approche du week-end. Car évidemment, la qualité du sommeil est très très importante. Donc là, on va pas aborder ce sujet ici, mais ça suppose que dans la capacité de concentration, eh bien la qualité de sommeil et la durée de sommeil soient suffisantes. Alors, comment améliorer la concentration? Nous avons vu que vous ne pouvez pas maintenir votre concentration de façon soutenue au-delà de 20-30 minutes. Donc, il n'y a pas de remède miracle. Donc, le secret, c'est d'espacer un moment d'apprentissage intense par des courtes pauses de 2 ou 3 minutes. Je révise parce que je passe un examen très très difficile, alors concentration, j'applique la méthode avec les pauses, c'est les pauses, voilà. Ah, c'est le moment. Allez, on goûte. Bah oui, ma capacité de concentration est plutôt réduite. Donc je fais des travaux très concentrés, mais comme je suis fatigué, bah il me faut des grosses pauses, pauses plus longues, pour récupérer en fait. Et même si j'y prends pas garde, je pourrais me faire un claquage cérébral quand même. Hein. Et selon William Clem, professeur de neurosciences à l'université du Texas, un étudiant devrait passer de courtes périodes, disons 15 à 20 minutes d'études intenses, suivies immédiatement d'une période de repos comparable à une mort cérébrale d'une courte durée de 2 à 3 minutes, sans engager dans des stimuli intenses ou une nouvelle tâche d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que la mort cérébrale selon ce scientifique? Ça veut dire tout simplement déconnecter son cerveau de toute activité. En résumé, c'est de ne penser à rien, voire même de rêvasser. Donc le terme scientifique exact, c'est l'activation du réseau du mode par défaut. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Mort cérébrale, c'est la pause Jésus, quoi. Bah oui, parce que le cerveau, il meurt 3 minutes et après on ressuscite. Hey, belle métaphore, non? Pause Jésus. Bon, ouais. Donc l'erreur ici serait de consacrer ces petites pauses de 2-3 minutes par des distractions, comme par exemple consulter ses messages Facebook
ou répondre à des messages de son téléphone portable, ou répondre à des messages WhatsApp. Donc, le cerveau n'a pas de temps nécessaire pour consolider la mémorisation et le contenu appris n'a pas le temps de se fixer dans la mémoire de long terme. Nous devons à la fois éliminer la distraction, donc surtout en vieillissant, et renforcer notre capacité à nous concentrer sur une tâche à la fois. Donc Gazelle a mené une expérience pour voir quel type d'information visuelle est le plus distrayant. Donc lui et son équipe ont demandé aux volontaires de se souvenir des détails en regardant l'une des trois scènes visuelles. Un écran gris, une photo occupée par des images ou les yeux fermés. Et donc il conclut que les résultats de cette expérience ont révélé que leur capacité à se souvenir des détails, donc chez les volontaires, était considérablement diminuée lorsque leurs yeux étaient ouverts et qu'il y avait une photo devant eux par rapport lorsqu'ils avaient les yeux fermés ou les yeux ouverts lorsqu'il y avait en face d'eux un écran gris. Alors comment cela s'explique? Tout simplement, lorsque vos yeux sont fermés, votre cerveau ne travaille pas aussi dur pour filtrer les informations visuelles. Et au lieu de lutter pour ignorer tout dans votre champ de vision, votre cerveau peut consacrer plus d'attention à l'analyse de votre mémoire. Une autre expérience menée en 2011 confirme la conclusion de Gazelle. Et ces deux expériences fournissent la preuve que les environnements encombrés et désorganisés sont plus distrayants que ceux organisés. Donc les espaces remplis de distractions visuelles obligent notre cerveau à travailler plus dur pour filtrer les informations superflues. Donc le conseil, tout simplement, c'est de ranger, d'avoir un espace de travail le plus clair possible et dépourvu de toute distraction possible. Et notamment, eh bien, vous mettez votre téléphone portable sur le mode avion ou carrément vous l'éteignez. Ainsi, vous ne pourrez pas être distrait. Donc, le mieux, c'est de se limiter à un moniteur. Alors, c'est vrai que des fois, on travaille avec deux moniteurs, c'est bien pratique. Mais le problème, c'est que ça augmente la possibilité de distraction. Et se limiter aussi à un onglet ou une fenêtre de navigateur sur le navigateur web et un programme informatique ou une application à la fois. Et bien sûr, mettez votre téléphone en mode avion. Alors évidemment, couper toute distraction, c'est parfois difficile. Alors, mais n'essayez pas de tout faire à la fois. Mettez-vous des objectifs précis. Allez-y par palier. Oh là là. Ben, page blanche, hein. Ouais, j'y arrive pas. Et vous savez quoi? Je suis victime de la diarrhée mentale. Pourquoi? Ben, c'est que à chaque fois que j'ai une idée, c'est de la merde. Donc voici une méthodologie en deux étapes. Alors la première étape, commencez par vous chronométrer pour fixer votre capacité de concentration. Alors combien de temps vous pouvez rester attentionné, concentré sur une tâche sans être distrait par un mail, une notification ou un message. Donc vous observez votre temps moyen de concentration. Alors évidemment, il faut être honnête avec vous-même. On n'est pas dans une compétition. Donc pas la peine de dire ah non j'arrive à 20 minutes alors qu'en fait vous avez été distrait au bout de 5 minutes. Ensuite, lorsque vous avez fait une activité, cherchez à dépasser ce temps moyen. Donc mettez un chronomètre pour mesurer le temps. Donc si vous travaillez sur un PC, vous pouvez utiliser un logiciel gratuit que j'utilise aussi moi-même qui s'appelle Toggle, qui est très pratique et qui mesure le temps pour chaque tâche. Et essayez de dépasser un peu ce temps moyen. Et pareil, dans cet entraînement, ne cherchez pas à aller trop loin. Allez-y par palier. Si vous avez une concentration de 15 minutes, par exemple, cherchez à aller à 16 minutes, mais pas à 30 minutes. Voici une autre méthodologie pour améliorer votre faculté de concentration et qui ne demande pas beaucoup de temps. À la fin de la journée, sur un cahier, essayez de noter 10 détails que vous avez pu remarquer au cours de votre journée et sur lesquels vous avez pu vous concentrer. Et notez le plus de détails possible sur un cahier le soir. La couleur, l'aspect, le ton, le lieu, l'heure, etc., etc. Et pour améliorer même l'exercice, notez les choses positives qui se sont passées ou que vous avez constatées durant la journée. Et notez les détails. Ainsi, vous pouvez faire des moments positifs de votre journée en vous concentrant sur les détails et les actions qui ont été positives. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation. Il n'est plus d'ailleurs à démontrer que la méditation permet vraiment
d'accroître l'attention. L'étude réalisée par le neuroscientifique italien Giuseppe Pagnoni a révélé que la méditation non seulement modifie les schémas cérébraux, mais qu'elle confère également des avantages de concentration mentale qui peuvent améliorer les performances cognitives. Alors pour voir quel effet la méditation zen pourrait avoir sur le cerveau, les scientifiques italiens ont comparé deux groupes de 12 personnes dans la région d'Atlanta. Un premier groupe composé de personnes ayant plus de 3 ans de pratique quotidienne en méditation zen et un deuxième groupe constitué de personnes novices qui n'avaient jamais pratiqué la méditation. Donc la conclusion de leurs observations durant 3 années a été que la pratique régulière de la méditation peut améliorer la capacité de limiter l'influence des pensées distrayantes. Ce que je trouve vraiment intéressant dans cette approche, c'est qu'elle consiste à réguler l'esprit en régulant le corps, posture, respiration. Alors, j'espère que tu vas bien et que tu restes bien chez toi. Faut faire gaffe, hein, y a le coronavirus qui est partout. Coronavirus. Et oui, bon, je sais, le coronavirus. Coronavirus, sois attentif un peu. Oui, alors, oui, je suis attentif, mais surtout, je fais attention. Bon, ben... Et les gens ont pas à moins de 3 mètres hein, à cause du coronavirus. Coronavirus. Quoi tu peux répéter? Coronavirus. Corona ça corona ça veut dire quoi? Coronavirus, voilà. Oui bon ok on a compris, il est espagnol, c'est ça le virus. Bon ben pas besoin d'en faire un plat quoi. Bon ben moi je parle pas espagnol hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, donc la partie 2 sur cette thématique de la concentration, sera consacrée sur eh bien, comment on fait avec les élèves. Donc si vous êtes enseignant ou formateur, comment fait-on pour améliorer la concentration des élèves, sachant que cette concentration en moyenne ne dépasse pas 20 minutes et donc vous pouvez imaginer le calvaire que ça peut être. Alors ce n'est pas une excuse hein, pour des élèves qui sont assis 6 heures dans la journée dans une salle confinée avec des pauses toutes les 2 heures. Et je le rappelle, vous pouvez télécharger le guide gratuit qui en même temps vous permettra de vous inscrire à la newsletter et là vous aurez plein d'autres ressources. Mettez un pouce bleu, je répondrai bien entendu à vos questions en commentaire. Si vous voulez vous en savoir plus, donc vous avez les sources où je détaille certaines choses et vous pouvez retrouver toutes les études que je mentionne.